네, 시간이 이제 뭐 많이 지난 것 같긴 한데요. 또 관객분들 질문, 네. 네, 오늘 영화를 잘 봤는데요. 조금 전에 그 여자 주인공들요. 보통 우리가 알고 있는 그 누벨 바그 영화에서는 심리적인 묘사가 들어가고 대개 끝부분에 가서 물음표로 끝나는 경우가 많은데 이번에는 조금 확실한 답이 나오는 것 같아서 좀 의외적이라고 생각했고요. 그 대사에서 대사가 그 이제 연기하고 장면이 그 마치 음악으로 치면 이중주처럼 이렇게 잘 이렇게 조화를 이루는 것이 굉장히 인상적이었습니다. 그리고 그 시나리오가 선생님이 50년 동안 그 영화를 하시면서 그 농축된 어떤 미니멀한 짧은 대사가 굉장히 인상적인 걸 말씀을 드리면서요. 두 가지만 질문하겠습니다. 그 21세기에는 문화를 주도하는 사람이 큐레이터와 영화감독이라는 말이 있는데 선생님께서는 왜 영화감독을 하시는지 여러 가지 많이 말씀을 하셨지만 한 번 더 말씀해 주시고요. 두 번째는 그 리비도를 예술화 하는 거, 그거는 모든 영화에서 아마 공통적인 것 같은데 굉장히 그 선생님께서는 좀 차원이 높은 그런 어떤 예술적 시도를 하신 것 같은데 앞으로 21세기 앞으로는 어떤 식의 그 리비도에 대한 예술화가 이루어질 것으로 예상이 되는지 한번 말씀해 주시면 고맙겠습니다. La chose que j'ai pas compris c'est par la traduction c'est les réalisateurs et les curateurs a dit le curateur c'est quoi un curateur? Ah c'est conservateur de musée. D'accord. D'accord. Vous voulez dire que quand l'histoire se tait, quand l'histoire, quand il n'y a pas des événements qui relèvent de l'histoire et que l'art est à ce moment-là relégué au second plan, c'est les directeurs de musées et les commissaires d'exposition et les réalisateurs qui, quelque part, tiennent la puissance de la direction des affaires spirituelles, enfin, des affaires humaines. C'est assez vrai, mais comme au sens de si on prend l'art comme... l'ennemi de l'histoire. Mais par exemple, quand il y a eu des événements en France dont vous avez entendu parler le 13 novembre, par exemple, tout d'un coup, tous les films qui sortent, par exemple, ont perdu. Et personne ne va les voir. Et tous les réalisateurs qui ont fait des films qui sont sortis à ce moment-là sont bons pour refaire un autre film. Les films sont foutus. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait... tout le temps, soit une prédominance de l'histoire, pour moi, quand l'histoire intervient, et au contraire, quand l'histoire se tait, que c'est l'art qui prend sa puissance, et dans ce sens-là, on pourrait dire les metteurs en scène et les directeurs de la culture sont les gens qui ont le pouvoir. Je pense assez comme vous. Au moment mais il faut pas, pour ça, il faut qu'il se passe rien historiquement. C'est-à-dire que dès que il y a un événement historique important, l'art paraît totalement dérisoire. Mais quand l'histoire se tait, on a l'impression que l'art est la seule chose qui règne. C'est ce qu'on apprend aux étudiants dans les universités, c'est ce que les gens vont voir le soir après le travail, spécialement le cinéma, c'est pour ça que vous dites les réalisateurs. Et ça, c'est vrai, je pense comme ça. Je pense que l'art, quand j'ai choisi l'art, très vite, je me suis aperçu à 21 ans que j'avais choisi l'art contre l'histoire. Bon. Alors, donc, c'est vrai qu'on a certainement une certaine puissance dans la société.
Et après, vous m'avez demandé comment je pense que ce... vous voulez dire qu'avec les caméras et les jeux maintenant numériques, vous savez, où il y a une situation où on met des lunettes et tout, les gens vont baiser avec des lunettes, des choses comme ça, par rapport à la libido, c'est ce qui risque de se passer, sans doute. Par rapport à la... Mais ça sera le développement de la pornographie. Mais comment les gens qui sont... qui sont au contraire derrière, on pourrait dire, Freud et tout ça, qui ont décidé de qu'il y avait une conduite, une morale dans la conduite sexuelle, et que c'était aussi une étude et que ça appartenait à l'évolution d'espèces. Qu'est-ce que le film va faire là-dedans? Vous voulez dire comment le film va pouvoir nous aider à quel progrès il pourrait y avoir? Qui soit pas justement la pornographie comme les lunettes pour oui, qu'est-ce qui pourrait être Comment 더 이 차원 높은 예술로 발전할 수 있는 걸 전망될 건지 혹시 말씀해 주실 지금 말씀하신 거하고 좀 방향이 다르고 그러니까 이제 그 아시아에서는 그 이제 그러니까 프로이드는 그 성이라는 새로운 이제 신대륙을 발견했잖아 서양에서요. 근데 동양에서는 원래 그 컬러라는 뜻이 섹스라는 의미를 가지고 있거든요. 그래서 동양도 역시 마찬가지로 프로이트 못지않게 그 성에 대한 그 모든 예술의 기본에는 성에 대한 리비도가 있다는 생각을 가지고 있어요. 근데 이제 그것을 어떻게 예술적으로 더 승화해서 보다 더 차원 높은 예술로 바꿀 수 있느냐 하는 거에 대해서 혹시 아이디어가 있으신지 하는 걸 물어보는데 좀 어렵나요? 보조 설명. Très difficile. Très difficile. C'est plus. C'est le même propédeutique suffirait pas. C'est très difficile votre question. On va pas contre. C'est comme si... Oui, parce que... Il n'y a pas de grand homme dans le lit de sa femme, par exemple, si vous pouvez comprendre. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de grand homme dans le lit de sa femme, c'est... Pour moi, c'est que... Même Freud, par exemple, c'est très compliqué de savoir. Après, on s'est intéressé à la sexualité de Freud, puisqu'il est le maître du discours sur la sexualité. Et on a cru comprendre à certains moments qu'en fait, lui aussi, il avait une maîtresse qui était sa belle-sœur. Et en fait, il s'est avéré que dans les études qu'on a faites, c'était un amour platonique. C'est-à-dire qu'il aimait sa belle-sœur, mais que vraisemblablement, il trahissait pas sa femme avec sa belle-sœur. Que c'était un amour platonique. Et puis après, on a, en étudiant, vu que, comme à son époque, n'existait pas la contraception, pour ne plus faire d'enfants, parce qu'il avait beaucoup d'enfants, il s'était arrêté de faire l'amour à 37 ans. Et que entre 37 ans et sa mort, il n'avait jamais fait l'amour. Alors, c'est des choses qu'il n'a pas dit dans ses livres, lui. C'est des choses qui viennent d'études qu'on a faites sur sa vie. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de grand homme dans l'île de sa femme, c'est dans ce sens-là. C'est qu'on ne sait même pas si Einstein n'était pas un éjaculateur précoce. Je veux dire, rien ne nous dit le contraire, rien nous
prouve le contraire, rien ne nous dit que ça soit comme ça. Donc ça veut dire que, parce que vous, vous imaginez que des artistes qui, sont, qui parlent de sexualité comme mettant le tableau L'origine du monde, de Courbet par exemple, et ça prouve, c'est pas parce que Courbet a été capable de peindre L'origine du monde qu'il était quelqu'un d'infaillible dans un lit avec une femme. Je veux dire, donc, même Freud ou n'importe quel génie, ça ne veut pas dire que sa sexualité était plus équilibrée, appelons équilibrée ou on pourrait dire que le commun des mortels. Donc si on imagine que l'art est fait par des grands hommes, ce ne sont pas des grands hommes dans le lit de leur femme, c'est ça que je veux dire. Et donc je ne vois pas comment on peut imaginer qu'il y ait des hommes sains qui seraient les artistes et des hommes beaucoup plus malsains qu'eux qui seraient les spectateurs de l'art, parce que ça serait retombé dans des choses qui seraient aussi ça serait comme si c'était la religion, comme ça pour moi. Et moi j'aime mieux me c'est très compliqué. Vous posez une question très compliquée. C'est-à-dire que c'est parce qu'en fait, quand je dis il n'y a pas de surhomme dans le lit de sa femme, c'est ça que je veux dire. C'est que ça n'existe pas quelqu'un dont la sexualité est parfaite. Parce qu'on sait par exemple que les hommes sont tiraillés entre, je disais, la maladie de l'éjaculation précoce, comme était par exemple César Pavese. Il a avoué ça, qu'il était éjaculateur précoce, et qu'il pense que c'est pour ça qu'il a jamais pu garder une femme près de lui. Et aussi parce qu'il n'est pas d'argent, il disait que c'est pour ça qu'il ne pouvait pas garder une femme près de lui. Et l'impuissance. Et puis, et ben pareil, la sexualité des femmes, elle est, j'ai cru comprendre, parce que c'est compliqué de comprendre des femmes quand on est homme, elle est tiraillée entre les femmes qui sont des clitoridiennes ou les femmes qui sont vaginales. Et l'équilibre se fait entre ces deux tendances. Je crois que les femmes entre elles considèrent qu'être clitoridienne, c'est comme l'impuissance chez les hommes, c'est-à-dire c'est dépréciateur. Non, monsieur, je comprends très bien. Oui, mais même si un monsieur comprend et pas toi, c'est déjà pas mal, mon amour. Alors, et donc, comment un artiste, ben, vous voyez bien d'ailleurs, comment un artiste pourrait s'y retrouver mieux que n'importe qui, il n'y a pas de raison. Donc, comment l'art peut aider l'histoire du développement, on pourrait dire équilibré de la libido chez l'homme ou chez la femme, oh, c'est une question très compliquée. Parce que pourquoi un artiste plutôt que quelqu'un d'autre? Et même le psychanalyste qui essaie de soigner les gens sur ce plan-là ne sont pas des gens qui ont tous des sexualités équilibrées. Donc la question du déséquilibre latent chez tout être humain, plus ou moins fort, et plus ou moins est une question qui n'est pas qui ne peut pas se résoudre dans le fait de faire de l'art. Moi j'ai lu Freud beaucoup, peut-être 30 livres de Freud dans ma vie, c'est à peu près le seul génie que j'ai lu, donc je ne suis pas non plus un surhomme, et j'ai admiré les films de Jean-Luc Godard, et j'ai essayé de faire un endroit où il y avait à faire des films où il y avait, et aussi ceux de Bergman, où il y avait un rapport entre Freud et Godard pour moi. Et j'ai essayé de faire des œuvres qui soient disciples de cet angle de prise de vue sur l'existence. Mais même moi, je suis sur le plan sexuel, je suis un relativement équilibré. Je ne suis pas plus équilibré que mon dentiste ou que mon médecin de famille. C'est quelque chose qui n'a pas de corrélation directe. Et à l'inverse,
si on voit Pavès, par exemple, son œuvre, le métier de vivre, et tout ça, quand il parle dans le métier de vivre, vous voyez qu'il est Cesare Pavès ? C'est un écrivain italien de l'époque des grands-pères, qui est mort il y a très longtemps, et qui est un très très grand écrivain, et qui est assez franc sur le fait d'avouer sa propre sexualité et tout, et qui toute sa vie qui est arrivé à dire des choses très méchantes contre les femmes, parce qu'il a jamais pu en garder une. Il est devenu très célèbre comme écrivain en Italie avant sa mort, et après il s'est suicidé, mais aussi parce qu'il pouvait pas garder, il n'arrivait pas à avoir une femme. Et il dit que c'est à cause de sa sexualité et aussi parce qu'il était très pauvre. Donc il sous-entend que les femmes sont vénales, mais il dit ça, on voit bien que dans ses écrits, il dit ça parce qu'il est lui-même un martyr de solitude et qu'il n'arrive pas à garder une femme avec lui quand il tombe amoureux. Et c'est ce qui fait peut-être que, à l'inverse, on pourrait dire, c'est tous ces problèmes qu'il a qui font qu'il les dépasse. Alors comme au début, on a commencé sur l'histoire des difficultés économiques, est-ce que ça, le dépassement des difficultés économiques favorise quelque chose dans l'art? J'ai dit que je ne voulais pas voir sous cet angle parce que je n'étais pas masochiste. On pourrait dire, est-ce que les difficultés de la vie sexuelle personnelle favorisent quelque chose dans l'art autant que l'équilibre sexuel? C'est possible. Dans le cas de Pavès, c'était vrai. Mais comment il peut y avoir un progrès? L'idée de progrès, ça veut dire qu'on se délivre de quelque chose, hein, par l'art, sur le plan de la libido. C'est intéressant parce que quand même, ça, la question de monsieur, elle relie quelque chose. Tu as traversé les années hippies, tu le disais même tout à l'heure, l'autre jour, le mouvement hippie important pour toi, et ton cinéma n'a jamais raconté que la relation exclusive d'un homme et d'une femme, et éventuellement sa trahison, c'est-à-dire que l'un des grands composants du mouvement hippie, qui était l'amour libre, tout le monde couchait avec tout le monde, ça n'intègre pas du tout ton récit initial ou le moteur de tes films, que ce soit avant 68, pendant 68, juste après 68, jusqu'à aujourd'hui. Je me suis un jour demandé ça, si tu avais cru à la révolution sexuelle, si ça t'avait intéressé 10 minutes, quoi, même dans ta vie, à ce moment-là. Si, mais on a bien vu que ça a échoué, parce que c'est impossible. La maman, elle a putain, raconte l'échec de ça, d'ailleurs. Oui, quand dans fin des années 60, toute une génération s'est mise à pratiquer l'amour libre comme philosophie, ça a échoué. Parce qu'on a bien vu que la jalousie était beaucoup plus forte et que chacun veut avoir pour soi l'être qu'il aime, et que c'est quelque chose qui est propre à l'humain, et que on le veut pour soi seulement, et que donc c'est pas théorique. En cela, tu as répondu à la question de monsieur, c'est-à-dire que l'amour, c'est un invariant, depuis l'homme des cavernes jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Puisque toi qui as connu même cette période de révolution sexuelle qui est vraiment, qui était supposée être une grande rupture et qui est un échec, prouve au final que voilà, tu as l'homme, la femme, l'homme, la femme, selon la sexualité des gens, mais tu as l'être et l'envie de posséder quelqu'un, et le sentiment de trahison, la douleur. Ah, voilà. Je, 어떻게 보면 그 리비도라는 얘기가 나서 굉장히 길어졌는데 성적 욕망보다는 어떻게 보면 어떤 성적인 그 관계에서 나오는 권력 관계의 어떤 게 초점이 맞춰지는 것 같기도 해요. 결국 그 침대라는 것이 그 남녀의 어떤 일종의 권력 형태를 만들어내는 어떤 시발점이 되는 것 같이 아까 그 이태리 작가분 얘기도 나왔지만 어쨌든 이 얘기는 조금 여기서 그만 이게 중단하는 게 좋을 것 같고요. 조금 화제를 옮겨갔으면 좋겠고, 특히 계속 촬영만 하고 계신 우리 제랄드 좀 앉으셔서 네. 가렐 감독님 영화 속에 나오는 인물들이 어떤 절망이나 어떤 애매모함 뭐 이런 여러 가지 많은 그 우리가 공통적으로 느끼는 어떤 그런 상황 속에서 있는 것들을 설명이 없이 굉장히 자연스럽게 그냥 우리가 마음으로 느낄 수 있게끔 잘 보여주는 작품들이잖아요. 그래서
특히 이재라광 씨 같은 경우도 예전에 그 75년, 79년 때에 그때 시네필들과의 대화를 또 영화로 찍기도 하셨는데 오늘 한국에서의 이런 굉장히 시간이 얼마 많이 남지 않았습니다. 근데 어쨌든 이런 그 가레 감독님과의 대화를 지켜보는 그 그때 어떤 차이라든가 세월이 흘러서 이 시네필들이 물어보는 끌고 오는 담론의 형태가 또 굉장히 달라지는 것 같아요. 당시만 해도 뭐 페미니즘이라든가 굉장히 공격적인 어떤 그런 그 토론 주제들이 있었던 것 같은데 요즘은 또 굉장히 많이 달라졌는데 어떤 그 느낌을 받는지 좀 듣고 싶습니다. Alors c'était une autre époque. C'était une époque post mai 68, post révolutionnaire. Et là, vous parlez de la discussion entre Philippe Garrel et le public des rencontres de Digne de 1975, où une grande partie du dialogue tourne autour de la politique. Et le dialogue entre Philippe Garrel et le public des rencontres de Digne de 1979, où une grande partie du dialogue tourne autour du féminisme. Donc on n'est plus du tout dans cette configuration-là. À Digne, je pense que les personnes qui étaient présentes, qui étaient venues là pour voir les films de Garrel d'abord, et puis écouter aussi Philippe Garrel, c'était des personnes qui étaient très cinéphiles, qui étaient certaines peut-être révolutionnaires, qui étaient là, qui refaisaient le monde et qui avaient trouvé face à eux un artiste qui était capable de leur répondre, qui était capable de leur les renvoyer dans les cordes, c'est-à-dire c'était un peu comme un combat de boxe. Et il y avait un côté combat, c'est-à-dire que il y avait Philippe Garrel contre toute la salle. Et en même temps, ça donnait des effets très intéressants, parce que les questions étaient parfois allaient très loin. Et donc, est obligé Philippe Garrel à trouver des arguments à chaque fois. En 75, c'était par rapport à la politique. En 79, c'était par rapport au féminisme. Ça l'obligeait à réfléchir peut-être d'une autre façon, ça l'a obligé, disons, à dire peut-être des choses qu'il n'aurait peut-être pas dites si on avait eu un public plus tranquille, plus amorphe. Là, on avait affaire à des personnes qui voulait combattre. Je pense qu'il y avait ce côté-là et existait vraiment. Et Philippe, à l'époque, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais tu ne faisais pas beaucoup de débats dans les années 70, me semble-t-il. Tu ne faisais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu défends tes films. Chaque fois que tu fais un nouveau film, si c'est à Cannes ou à Venise, tu as des conférences de presse. Maintenant, tu as des rétrospectives de tes films. Tu as des dialogues avec les publics. À l'époque, tu n'avais pas beaucoup de relations directes avec le public. Tu étais complètement pur. C'est-à-dire que tu ne connaissais pas peut-être les artifices d'un metteur en scène face à un public. Tu ne savais pas te protéger. Tu as été dans une sorte de face-à-face. Il a fallu que tu te défendes, d'une certaine façon. Je ne sais pas comment tu... C'est parce que j'étais professeur après, alors donc ça m'a appris à savoir parler à des gens. Et quand je ne sais pas, je vous parle, quand je vous parlais tout à l'heure du jeu de l'acteur, n'importe quoi, je vous parle tout de suite comme à des élèves. Parce que comme en art, il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'est le fait d'être professeur qui m'a rassuré dans le fait de parler devant les gens. Quand vous êtes, parce que j'ai des professeurs beaucoup d'années, 8 années au conservatoire, 2 années au Théâtre National de Strasbourg,
deux années à Paris 8, etc. Le fait d'être professeur est quelque chose qui aide énormément à savoir communiquer avec les autres. Et donc, ça vient de là par rapport à l'époque, je n'avais jamais été obligé d'être professeur, donc ça vient de là. Et comme l'art est une... comme je dis, on est élève ou professeur en art, mais selon les matières artistiques, il n'y a pas d'âge pour ça. Moi, si tu m'emmènes dans un cours de musique, je suis un élève. Je veux dire, je veux pas de... ou d'architecture, je suis un élève. Donc, c'est quand je ne sais plus, même quand je suis en conférence de presse, n'importe, comme j'étais souvent à Venise et tout ça, je suis comme en cours, en train de donner un cours sur la mise en scène, la direction d'acteur, c'est le fait d'être professeur. Parce que c'est... De toute façon, il n'y a rien qui ressemble... Tu t'en souviens du débat vaguement. Avec les féministes, par exemple. Vaguement, oui. Enfin, oui, je m'en souviens que c'est ça dont il s'agissait fin des années 70. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport au cinéma, ceux qui s'intéressent à l'art de jouer, peut-être ont lu la méthode de Stanislavski, et la méthode Stanislavski, les livres de Stanislavski, les deux livres, en fait, pour écrire, pour expliquer le jeu de l'acteur et la création du personnage, il raconte l'histoire d'une classe, les deux livres de Stanislavski, qui sont les deux bases de la mise en scène du jeu de l'acteur, il a fait une fiction, une classe. Il y a le professeur qui s'appelle Torstov, et il y a ses élèves qui ont tous des prénoms différents. Et il a inventé une fiction d'une classe d'art dramatique en Russie, comme si c'était le professeur Torstov et ses élèves. Et c'est comme ça qu'il explique le jeu de l'acteur et la méthode pour apprendre à jouer. Mais il n'y a pas plus proche d'une classe d'acteurs qu'un plateau. Un plateau avec des techniciens et des comédiens. Pour moi, c'est très très proche de ma classe au conservatoire. C'est simplement qu'un plateau, ça donne naissance à une scène qui fera partie d'un film, alors que dans une classe au conservatoire, on tourne des plans qui seront après jetés parce que c'était juste un exercice. Mais c'est très proche. L'art dramatique, c'est-à-dire aussi bien le théâtre que le cinéma, un plateau de cinéma ou une scène de théâtre, l'activité est très proche de l'activité d'une classe. Ça ressemble à une classe entre le metteur en scène et les acteurs, ou le metteur en scène et les élèves, acteurs, c'est très proche. Et donc, parler devant, sur un plateau, parler en classe, c'est très proche, et parler de cinéma, on retombe dans ce même schéma de la classe. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien enseigner, c'est parce que je trouve que c'est très proche d'un plateau. Un metteur en scène, c'est un professeur, et une équipe technique et des acteurs, c'est comme ses élèves. C'est comme s'il partait avec ses élèves les plus doués faire un film. Mais c'est très proche, toute la dynamique est très proche d'une classe. En tout cas, les films, dans les années 70, le public les recevait comme une provocation. Aujourd'hui, c'est devenu des classiques. C'est ça la différence. C'est-à-dire que Le Révélateur, par exemple, provoquait le spectateur. C'était un film muet. Même dans les années 70, on n'avait pas l'habitude de voir des films muets contemporains. Et les spectateurs prenaient ça pour une provocation et ils se sentaient... donc cette provocation, il l'a formalisé à leur tour en te provoquant aussi. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte je parlais de combat, quoi. Et aujourd'hui, quand tu passes Le Révélateur, la salle, que ce soit à Séoul, que ce soit à Paris, est très silencieuse. Elle est très à l'écoute. Alors, pour un film muet, c'est assez surprenant, mais il y a une concentration du public qui est fantastique. Toujours les artistes modernes sont toujours accueillis au départ pendant plusieurs œuvres comme s'ils se foutaient de la gueule du public.
C'est le public est toujours quelque part à l'impression qu'un artiste moderne qui arrive veut se moque de veut simplement le fait de la provocation et se moque d'eux. Il n'y a que au bout d'une certaine apprentissage et quand le temps passe, les gens comprennent qu'on parlait dans ces œuvres modernes de quelque chose qui relève de la vie et qui n'était pas que c'était pas pour se faire remarquer ou mais toujours le moderne au départ, un artiste moderne on l'accuse de se foutre du public, le public l'accuse de se foutre de lui quoi, toujours, et c'est normal, c'est le parcours d'un moderne, c'est comme les plus grands modernes, Picasso et tout ça, au début les gens pensaient qu'ils se foutaient de la gueule des gens pour oser présenter des toiles peintes aussi rapidement et aussi bâclées, pensaient le public quoi. Et puis maintenant à l'inverse, ça nous rassure de voir des Picasso, des reproductions de Picasso dans notre vie, ça nous rassure parce que ça nous fait comme des espèces de points de repère qu'on a dans la ville pour s'y retrouver, ou dans les livres, ou dans les reproductions. Mais au départ, tout le monde pensait que Picasso, la plupart des gens pensaient que Picasso, sauf ses proches. Mais à quel moment tu as ressenti ce passage à une sorte de... ce côté provocation, à un moment donné, s'estompe, quand tu deviens un classique, à quel moment tu as ressenti ça? C'est-à-dire qu'à un moment, tu as dû sentir cette transformation par rapport au public qui assistait à la projection de ces films. C'est-à-dire, j'étais pas très, très étonné parce que quand même, comme je suis un des disciples de Godard avec Carac justement et Chantal Akerman, et comme je suis un disciple de Godard, j'étais de ceux qui avaient vu que tout le monde pensait aussi que Godard, avant nous, que Godard se foutait de la tête des gens. Tout le monde disait que Godard se moque de nous, il ne sait pas faire un film. Et il faut. Donc, comme j'avais vu. D'abord, j'avais vu plusieurs choses. J'avais vu. Au début, les films de Godard faisaient, à part À bout de souffle, qui a eu un public. Les films de Godard, quand on allait dans les années 60 les voir en 63, 64 et tout, on était trois personnes dans la salle. Donc là-dessus, j'étais quelque part, je voyais qu'on pouvait très bien être un artiste, un artiste réel et d'avoir aucun succès public, et que c'était pas grave. Et puis d'autre part, tout le monde disait que Godard, 9 personnes sur 10, plus maintenant. Maintenant, 9 personnes sur 10 en France aiment bien les films de Godard. Mais à l'époque, tout le monde trouvait que Godard se foutait de la gueule des gens. Donc ça, c'est comme j'avais Godard devant moi, ça ne m'effrayait pas d'avoir un tout petit public et qu'en plus, on pense que je me foutais de la gueule du public. Et donc, parce que j'avais vu le parcours de Godard. Mais c'est pour ça que je me suis... maintenant, j'ai un public, mais il n'y a pas si longtemps que j'ai un public. Il y a peut-être une dizaine d'années, maximum. Et pendant 40 ans, je n'ai pas eu de public, sauf un public spécialisé de Cinémathèque. Mais ça ne m'a pas effrayé, parce que j'avais vu Godard traverser le désert pendant toutes les années 60. Et j'avais vu surtout un phénomène qui existe dans l'art moderne, c'est-à-dire dans les années 60, tout le monde disait, par exemple, des gens disaient, le jour où il arrêtera de tourner avec sa femme, Anna Karina, il fera des bons films. Et du jour où il a arrêté de tourner, tout le monde disait, oh là là, c'était tellement génial avec Karina et c'est devenu tellement nul. Et alors donc, je voyais tout le mouvement du public avec ses contradictions qui faisait que il n'était pas là quand ça se passait, et après il prétendait aimer à l'époque où il n'y avait personne dans la salle, et prétendait que c'était plus ça. Donc j'avais vu, il y a une espèce de et tout ce truc-là qui est pour tous les modernes, comme moi j'étais disciple qui avait déjà vu toute cette génération de Godard et tout, ça ne m'effrayait pas parce que je voyais qu'il n'y avait personne dans les salles, et je voyais qu'on disait que je n'étais pas un cinéaste digne de ce nom.
Mais puisque je l'avais vu sur mon maître, je pensais, bon, ben, c'est que je suis sur le bon chemin.물론 그거에서도 분명히 이야기가 있죠. 이야기가 없는 영화는 없는 것 같습니다. 바람이 부는 장면만 봐도 그것 자체도 하나의 이야기니까요. 근데 그 초창기와 같은 그런 작품, 그러니까 런컨스크레 이전과 같은 그런 작업을 만약에 누군가가 주문을 한다면 그런 작품 만들어달라고 하면 사실 의향이 있으신 건가요? 어떻게 그때와는 또 다른 형태로 어떤 작업을 하시는지 계획이 만약에 그 Non, surtout je me suis aperçu, alors je ne prendrai pas, l'enfant secret pour, comme exemple, mais je me suis aperçu que mon premier film, Marie pour mémoire, même de nos jours, personne n'a compris ce que je voulais dire, sauf peut-être Godard, parce que j'ai dû le dire d'une manière qui était trop moderne, justement. Et donc, quelquefois, quand je raconte l'histoire que je racontais dans Marie pour mémoire, je me dis, tiens, je devrais le refaire, puisqu'en fait, les gens n'ont pas compris. La manière dont je l'ai fait qu'ils n'ont pas compris l'histoire. Je devrais le refaire. Donc, ça serait plutôt ça. Ça serait plutôt des films où je voulais dire quelque chose, et que je m'aperçois qu'en fait, même des gens assez pointus n'ont pas compris. Donc ça veut dire que c'était trop hermétique, mais sans vouloir être hermétique. Alors ces films-là, j'aurais envie des fois de les refaire, de reprendre le scénario, de dire bon, je vais refaire cette même histoire parce qu'elle a un sens pour moi. Mais sur la façon dont on évolue, à un moment, Philippe Azoulay a parlé de ça par rapport aux solitudes, que ça a beaucoup changé et tout. C'est quand même trop lent la modification qui s'opère pour qu'on en ait conscience et qu'on le fasse volontairement. C'est un peu un. De toute façon, le cinéma, comme les autres arts, est très. Comment expliquer ? Il est très matériel, c'est-à-dire on fait un film. Mais nous-mêmes, on n'a pas tiré au clair tout sur ce qu'on voulait dire ou n'importe quoi. Et des fois, il y a des gens qui vous éclairent, qui vous disent quelque chose sur un beau film. On pense, ah, c'est vrai, mais c'est comme un analyste, un psychanalyste, quand tout d'un coup, il vous dit, mais c'est pour telle raison, vous m'avez dit ça, c'est pour telle raison. Tout d'un coup, ça nous éclaire. Et nous-mêmes, on n'avait pas conscience, et pourtant, c'est bien quelque chose qu'on a fait. Et donc l'artiste, il est beaucoup moins sachant, on pourrait dire, que ce que croit le public. Le public, il croit que l'artiste, il a déterminé un sujet, après il a balayé toutes les manières possibles de le faire, puis il a choisi plutôt telle manière et tout. Alors qu'en fait, ce que je veux dire, quand c'est que l'art est beaucoup plus matériel que ce qu'on croit, y compris le cinéma, et pas seulement la peinture ou la sculpture, c'est qu'on attaque un bout de marbre, si c'était la sculpture, mais on ne sait pas le résultat final quand on s'engage à l'intérieur du travail. On attaque juste, simplement. Et c'est matériel, le fait de faire un film est matériel. Au sens, c'est quelque chose de concret, c'est pas quelque chose de qui est raisonné au point où le public le croit. Et c'est un produit de l'époque, on ne peut pas le refaire comme ça. C'est marqué par son temps. Ouais, et c'est marqué par son temps. Oui. Et c'est l'inconscient qui met. Ce qui est intéressant dans une œuvre, c'est ce que l'inconscient dépose dedans. C'est pas que ce qu'on a, au contraire, c'est pas la prise de conscience, je pense. C'est pas la prise de conscience de quelque chose qu'on a mis sur la pellicule, c'est ce que, en voulant dire une chose, on en a dit une autre sur soi-même, et c'est cette chose-là qui est beaucoup plus intéressante. Donc c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc c'est une espèce de, l'œuvre d'art, c'est une espèce d'empreinte, mais
C'est pas plus on dessine quand on met ses empreintes sur, sur un papier avec de l'encre. On dessine pas son empreinte. On fait son empreinte, c'est tout. Et puis après, ça a un certain dessin. Et un film, comme une peinture, c'est de cette nature. Il n'y a pas de on n'a pas de discernement, on n'a pas le discernement que croit le public sur sa propre œuvre. On fait ça moitié consciemment, moitié inconsciemment, pour ce qui est du sens qui s'en dégage.파리의 평화와 파리의 평화와 매직 랜턴이 계속 빛나길 바랍니다. 일단 첫 번째는요. 저는 그 폭로자와 그 대부의 장소를 굉장히 재밌게 봤는데 좀 약간 일화를 듣고 싶은 욕심도 있고요. 이게 또 좀 두 번째는 어쨌든 그 시네아스트로 살아오셨고 프랑스 안에서 시네아스트로 살아오셨는데 느끼는 바가 무엇인지 이렇게 약간 좀 부탁 좀 드립니다. Ce que je dis, c'est ce que vous dites au début pour qu'il y ait la paix à Paris et pour qu'il y ait, que le cinéma pour le cinéma français non, ce que j'ai vécu pour, jusque là, ça reviendrait à dire quand tout à l'heure j'opposais l'art et l'histoire. À certains moments, l'histoire réduit l'art à quelque chose d'absolument secondaire. Et au contraire, quand l'histoire nous fout la paix, l'art devient la chose qui est prépondérante dans nos vies. Quoi. Mais à quoi sert le cinéma dans ma vie, puisque vous me dites que je suis arrivé jusque-là, c'est qu'il faut que vous vous rendiez compte que, par exemple, sur les films que je montre ici, là, je ne sais plus combien, 16 films, je crois, et tout, 15 films, que j'ai fait au cours de ma vie, il y a un nombre incroyable de fantômes, parce que les gens, que ce soit dans mes proches, ou que ce soit dans les acteurs avec qui j'ai travaillé, il y a énormément de gens qui sont morts. Donc le cinéma est quand même, c'est par rapport à la vie du cinéaste, subjectivement, c'est quand même derrière soi, avoir les fantômes de tous les gens qu'on a côtoyés. Je ne sais pas, la moitié des gens de ces films sont morts de ce monde. Et la différence, c'est que c'est quand même pas comme la peinture ou la littérature, ça c'est propre au cinéma, c'est vraiment l'image en mouvement de ces personnes, mais c'est l'image réelle. C'est pour ça que ce sont des vrais fantômes. Parce qu'on pourrait dire que des modèles de peintres sont aussi des fantômes, pour un peintre. Mais c'est la peinture, c'est la représentation, quelque part, de la personne humaine. Alors que le cinéma enregistre la présence de la personne humaine, et donc j'ai derrière moi, tout mon père à différents âges de sa vie, les amis acteurs que j'ai eus et le fait de dérouler des espèces de documents sur tout
tout son passé, comme le font les films pour moi, c'est ça qui est le plus... Mais un artiste, sincèrement, ne peut pas se mesurer avec les autres artistes. C'est-à-dire, son œuvre ne peut pas être évaluée par rapport à la valeur des... Moi, j'aime les films d'Antonioni, Bergman, je disais, Piala, Godard, Truffaut, tout ça. Mais on ne peut pas... Là où il y a... On ne peut pas égaler ses maîtres, parce qu'en fait, on ne peut pas se comparer à ses maîtres. C'est quelque chose de... Un artiste, il ne peut pas... même, j'ai lu, par exemple, que Gustave Flaubert, dans des lettres, j'ai lu, par exemple, il écrit à quelqu'un de très cher, et il lui dit, mais tu comprends, je suis pas un grand écrivain comme les grands romanciers, il dit. Tu comprends, je suis pas un grand écrivain comme tous ces grands romanciers. Et il le dit très sincèrement. Et soi-même, on se voit que... en art, on se voit que avec ses manques et tout ça. Un peu comme on parlait de la sexualité tout à l'heure, on se voit que avec ses manques. En art, on se voit que avec ses manques sur le plan idéal. Et donc, il n'y a pas de plaisir à avoir fait une œuvre, tout ça. Moi, je trouve, je ne sais pas, peut-être d'autres artistes diraient le contraire, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de plaisir à tout d'un coup à avoir fait une œuvre. Il y a un plaisir à pas avoir échoué, c'est vrai, mais ce plaisir, c'est pas un plaisir d'avoir réussi. Je sais pas comment expliquer ça. D'avoir réussi à conquérir un public et que un certain public me suit. Et j'ai un petit public, mais il existe dans le monde entier. C'est-à-dire, j'ai un petit public dans beaucoup de capital dans le monde. J'ai un petit public d'étudiants et d'intellectuels et d'amoureux de l'art qui est tout petit, mais comme il fait le tour, il est dans le monde entier, il y a une conquête qui s'est faite quand même, mais c'est pas un plaisir de suprématie ou tout ça, c'est juste de pas avoir échoué quelque part, d'avoir... Et pourquoi des images, alors ça me fait penser juste à pourquoi des images traversent de films. Donc pourquoi des films traversent des frontières et d'autres pas? Alors ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Parce que c'est le cinéma est à la fois un art universel, puisqu'il c'est des images, et en même temps, il y a beaucoup de films qui ne passent pas la frontière. Et dans votre pays, il y a quelques cinéastes qu'on voit en France, il y en a 3-4 cinéastes coréens qu'on voit en France. Pourquoi c'est ceux-là qui passent la frontière ? Dans le cinéma asiatique, parce que maintenant le cinéma asiatique il a pris une importance considérable quand même. Il y a vraiment le cinéma occidental et le cinéma asiatique. Et Philippe, ceux qui passent la frontière sont pas les plus reconnus ici? Ah, souvent, oui, souvent, c'est pas les films qui ont le plus de succès ici. En France, pareil, les films qui passent la frontière, c'est pas forcément... Alors comment expliquer, alors que c'est des images, donc c'est quelque chose qui n'est pas... C'est pas le problème de la langue, puisque ce sont des images. Et comment et qu'existe le sous-titrage et tout, comment, ou même le doublage si on voulait être large d'esprit, comment expliquer que des images passent les frontières et certains films passent les frontières et d'autres films ne passent pas les frontières? Ça, c'est un mystère. Et on ne pourrait pas décider soi qu'on va fabriquer des images qui passent les frontières. On constate que ces images qu'on a fait passent les frontières, mais c'est pas parce qu'on a travaillé, c'est une question qu'on ne saurait pas travailler. Et donc c'est quelque chose qui est encore dans l'espèce humaine, dans l'existence de l'art et dans le cinéma qui est le septième art. C'est quelque chose qui est fait instinctivement par un certain nombre de personnes. Et ça, je peux dire que je suis assez fier. Parce que je pense que si j'avais été un cinéaste local, qui passait pas les frontières, je pense que j'aurais, moi, de mon point de vue, j'aurais pensé que c'était une forme de ratage. Alors donc, je suis assez fier de ça, d'avoir un public qui est pas nombreux, mais qui existe dans beaucoup de capitales du monde. Et sinon, un artiste pourrait pas détruire son œuvre. Si je détruisais mon œuvre, je serais obligé de me tuer derrière. C'est-à-dire, en même temps, c'est quelque chose qui est vital.
Mais en même temps, j'aimerais bien enlever tous les films dont j'ai honte, parce qu'il y a des films dont je suis fier, mais il y a des films que je crois avoir ratés énormément, et on voudrait toujours enlever tous les mauvais films qu'on croit avoir faits, mais ça, on ne peut pas le faire non plus, parce que comme c'est un art collectif, on va pas, ça appartient aussi aux acteurs, les films, et aux techniciens qui les ont faits, donc on ne peut pas détruire les films, mais il n'y a pas... C'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer à ses maîtres ou aux autres cinéastes, c'est que c'est très particulier le rapport qu'on a à sa propre œuvre. C'est quelque chose qui est pas objectif. C'est quelque chose qui est comme... ça fait partie de sa névrose, je pense. Et sinon, ben, je vous remercie de souhaiter du fait que... Mais, aujourd'hui... 좀 자유롭게 이야기를 나누고자 했는데 다소 그 얘기 저 얘기 막 정행무진 움직였던 것 같기도 합니다. 조용히 있었던 우리 패널분들한테도 좀 말씀을 좀 듣고 싶어서 마지막으로 시간이 많지 않습니다. 곧 끝내야 돼서 짧게 한 1분씩이라도 왜 가래 감독님 영화를 좋아하시게 되는지 어떤 왜 좋아하는지에 대한 짧은 고백을 팬분들에게 예, 말씀할 기회를 드리고 싶습니다. 네, 유은성 선생님부터. 어떻게 짧게 말해야 될지는 잘 모르겠습니다만 그 아까 제라르 프랑 씨께서 필립 가르 감독의 영화가 1970년대에 프랑스에서 어떻게 받아들여졌는지에 대해서 말씀을 해주셨는데 저는 뭐 잠깐 그 앞에서 말씀해 주시는 분들 이야기를 재밌게 들으면서 가끔씩 객석을 둘러보면서 여기 앉아 계신 분들은 어떤 분들인가 살펴보고 있었습니다. 그리고 여러 가지 생각을 하고 있었는데 막 감독님께도 좀 흥미로운 이야기가 될 수도 있지 않을까 해서 말씀드리는데 사실 저는 필립 가르 감독의 영화를 처음 본 거는 14년 전이에요. 14년 전인데 그 전에는 물론 90년대에 발간된 잡지들이나 일부 이제 외국 잡지들을 보면서 이름은 알고 있었지만 한국에서 필립 가르 감독의 영화를 볼 방법은 거의 없었다고 봐도 됩니다. 구할 수 있는 지금처럼 어떤 디지털 파일이나 DVD나 VHS 형태로 이렇게 나온 것도 있지 않았고 그런데 이제 14년 전에 한 출판사에 갔다가 거기 계신 분이 그 아마도 여기 계신 핍 초도로프 씨의 르부아에서 출시했던 게 아닌가 싶은데 이번에도 상영되고 있는 필립 가르 감독의 폼로자라는 작품을 비디오로 처음 봤었고요. 대단히 충격을 받았었습니다. 일단 그리고 나중에 그 영화가 영화는 대단히 추상적으로 보였고 상징적이거나 그런 걸 모르더라도 아까 김은희 선생님 말씀하신 대로 이미지가 주는 감각 자체로 다가오는 게 너무 큰 영화였는데 그 영화 자체가 또 당시에 보던 프랑스 학생들이나 젊은이들에게는 어떤 68혁명 당시라고 하는 어떤 분위기라고 하는 것과도 결부돼 있다는 건 굉장히 나중에 알았었고요. 하나 기억나는 건 이제 그 영화를 보고 난 직후에 당시에도 꽤 한국에서 많이 읽혔고 지금도 읽히는 질 들레지의 시네마 2권 이제 그 필립 가렐의 영화들에 대해서 많이 다루고 있는데 선생님과 굉장히 고생하면서 읽었던 기억이 납니다. 선생님은 필립 가렐의 영화를 다른 편도 보신 적이 없었고 수업에 참여한 학생은 저를 제외하고는 한 편도 본 사람이 없었습니다. 그리고 제가 본 거는 폭로자 하나였어요. 그런데 이제 결국 읽기는 해야겠고 학생 중에 한 명이 폭로자의 스틸 사진을 한 장 가져온 다음에 해당 프레이즈들을 읽으면서 아마 이런 영화일 것이다 라고 상상하면서 필립 가렐의 영화들을 머릿속으로 그리기 시작했습니다. 저희는 보지 못하고 그런데 운이 좋게도 그런 일이 있고 나서 1년 뒤에 서울 아트 시네마에서 한국에서 처음으로 필립 가렐 회고전이 열렸었어요. 6편의 영화로 장은 스타슈하고 여의 영화와 함께 그래서 이 영화를 통해서 이제 처음 보게 되었고 그때 제 기억에는 이 영화들을 보기 위해서 앉아 있었던 사람들은 아까 제가 객석을 살펴볼 때 그
보고 있었는데 지금 여러분들도였습니다. 아마도 제 생각에 여기 앉아 계신 분들은 대부분 20대에서 한 30대 초반으로 보이는데요. 아니면 그보다 나이가 많은데 과도하게 동안이신 분들이 아니라면 대략 그쯤으로 생각이 됩니다. 그런데 희한했던 건 그때 필립 가렐의 영화들을 보기 위해서 모였던 시네마테크의 관객들은 여기에 왜 보이지 않을까 하는 의문이 들었습니다. 그리고 지금 또 이 자리에 모여있는 20대와 30대 관객들은 어떤 의미에서 보였고 어떻게 필립 가렐 감독의 영화에 관심을 가지게 되었을까가 대단히 궁금해졌습니다. 회고전을 보고 나서 1년 뒤에 그 영화제에서 일하면서 토론토 영화제에 가게 됐어요. 그래서 거기에서 갓 베니스에서 상영되고 왔던 이번에 상영작 중에 하나인 평범한 연인들을 토론토 영화제의 한 멀티플렉스 극장에서 보게 됐는데 영화를 보러 들어갔을 때 이제 한 안내원이 감독님이 오시기로 하셨었는데 취소되었다는 말을 해주셨고 그리고 이제 한 200여 명의 관객이 있는 가운데 영화가 시작되었습니다. 당시에 객석을 둘러보았는데 제 추정으로는 저를 제외하고는 거의 60대 이상의 관객이었던 것 같습니다. 그 영화를 보면서 이 영화를 보기 위해 앉아있는 이분들은 어쩌면 이 영화 속에 저 시기에 젊음을 보냈던 사람들이 아닐까. 그런데 한국에서는 그 영화들을 그때 당시에 저희 또래가 보았습니다. 그러니까 한국의 필립 가렐 영화가 보여지지 않았던 거는 뭐 지금처럼 기술적인 조건이 갖춰지지 않았거나 여기 MMCA처럼 이런 환경에 그 영화관도 있지 않았고 뭐 블루레이나 DVD 같은 게 있지도 않았지만 생각해보면 필립 가렐의 영화나 아까 감독님께서도 말씀하셨던 장 스타슈의 엄마와 창녀 같은 영화가 한국에 보여지게 된 건 비로소 90년대 후반이나 2000년대 초반이 되어서야 우리도 그 영화 속에 사랑이나 연애들을 공감할 수 있는 사회가 되었기 때문이라고도 얘기할 수 있을 것 같아요. 과연 80년대의 필립 가렐의 영화 속의 연인들을 본다는 건 거의 무의미했을 것 같습니다. 보여진다고 해도. 물론 보여졌다면 또 다른 효과가 있었겠지만. 그런데 어쨌든 우리도 그 영화들을 보면서 저도 그랬고 나도 저 연애를 이해할 것 같다. 그리고 오늘 보여졌던 영화 In the Shadow of Woman에서 마치 거기는 조금 연대가 되는 연인들인데 부부들인데 그 과거의 이제 레지스탕스라는 걸 통해서 자신들은 접촉하지도 못했고 경험하지도 못한 어떤 역사적인 것들과 교적도 시도하면서 이상하게 깨지고 다시 만나는 연애 때문에 시달리는 그런 관계들을 한국 사람들도 이해할 것 같은 것 같았습니다. 근데 그 사람들이 지금 어디 갔을까가 오늘 이 시간 내내 되게 궁금했고요. 여러분들은 과연 10년 후에 다시 필립 가렐 영화가 상영된다면 어디에 가 있을까가 대단히 궁금합니다. 예, 그냥 개인적인 것은 혹시 그런 길이 있다면 그때는 여기 앉아 계신 분들도 좀 제 나이 정도가 되어서 오거나 아니면 여기 또 앉아 계신 분들처럼 계시고 또 새로운 그 연애를 이해할 수 있는 관객들도 왔으면 좋겠다는 생각인데 오늘은 잠깐 이야기 들으면서 그 관객들은 어디로 갔을까? 그 연애를 보면서 공감했던 분들은 지금 뭐 하고 있을까라는 생각을 잠시 해봤었습니다. 네, 말이 조금 길어졌는데 죄송합니다. 재밌었습니다. 나중에. Je sais, c'est super dur de répondre parce que j'ai passé 8 ans à écrire un livre qui fait 300 pages. Pour essayer d'arriver à dire avec des mots pourquoi j'aimais tant les films de Philippe. Évidemment, si tu me demandes de répondre en une minute, j'ai l'impression à la fois d'avoir passé 8 ans pour rien. Et en même temps, si j'y arrive pas, ça veut aussi dire que j'ai passé 8 ans et je ne suis pas capable de te répondre. C'est un échec. C'est l'enfer. Je vais piquer le truc à Eustache, en fait, à un moment et à plus tard, mais je pense que c'est vrai, j'ai toujours pensé, c'est que je. Un moment dans La Maman et la Putain, Léo dit que voir des films, je pense qu'il doit penser à Godard à ce moment-là, Eustache, ça aide. On peut apprendre à faire son lit quand on voit un film qui compte. Je vais dire que de façon métaphorique, mais pas que, parce qu'on voit comment je suis maladroit, je veux dire, c'est pas. Le mot partout ici, ça m'a appris, les films de Philippe m'ont appris.
appris à faire mon lit, peut-être. Voilà. Pour moi, c'est assez difficile aussi. Non, ce que je peux dire, oui, c'est compliqué pour moi de réfléchir à pourquoi j'aime les films de Philippe aujourd'hui. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je suis tombée amoureuse des films de Philippe avant de tomber amoureuse de Philippe. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert ces films il y a 20 ans. Et à l'époque, c'était assez... c'était assez difficile, toujours en tout cas, de voir ces anciens films. Et qu'est-ce que je me suis dit à l'époque, justement, pour les trouver si beaux? Je crois que je m'étais dit, j'avais pris vraiment Philippe pour... ça va paraître assez idiot, mais je le voyais marcher dans la rue, et je me disais, c'est peut-être le seul poète, cinéaste, que... Enfin, ces films étaient les premiers... poème en cinéma que j'avais vu, moi, en tout cas dans ma vie. Ça m'avait fait cet effet-là. Et... j'ai réfléchi. Il y avait, je pense, aussi une chose qui tient de l'alchimie, comme justement quand on rencontre, des êtres et que... entre leur corps, leur présence physique, peut-être matérielle du coup aussi des films, et leur pensée, on a une sensation de, pas forcément de proximité, mais de sublimation, on va dire, du réel, qui nous touche, et ou qui nous apporte quelque chose, ou qui nous donne de la force, ou de l'envie de faire des choses. Et moi, je pense que j'avais ressenti cette chose-là en voyant, en découvrant ces films. C'était une sorte de communion, d'alchimie artistique, en tout cas, voilà, pour moi. Je crois que ça m'avait fait ça. Je ne sais pas l'expliquer mieux que ça. Oui, alors, je me pose la question, aujourd'hui, en 2015, que serait le cinéma sans Philippe Garrel? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de tous les cinéastes que j'ai beaucoup aimés, des cinéastes contemporains, je m'aperçois qu'il n'y a plus beaucoup de cinéastes, il reste Philippe Garrel, il y a encore Godard, il y a Jacques Doyon, mais en fait, c'est un petit cercle. Quand je me suis lancé dans le cinéma, rien qu'en France, il y avait beaucoup de grands cinéastes qui continuaient à faire des films. Bien sûr, il y avait Godard, mais il y avait aussi Jacques Tati, qui était un immense cinéaste. Il y avait Marguerite Duras, qui était écrivain et cinéaste. Il y avait Éric Rohmer, il y avait Jean Eustache, et j'en oublie. Et aujourd'hui, la plupart de, pour moi, de ces maîtres du cinéma, à part Garrel et Godard, ils ont disparu. Alors je me pose vraiment la question, dans 20 ans, que sera devenu le cinéma qu'on aime, ce cinéma nous a aidé à vivre. Alors quand il ne sera plus là, comment les générations plus jeunes pourront vivre? Voilà la grande question. Il y a aussi Léos Carax, et ce sera, Gérard, ça sera forcément relayé. Il y aura forcément des... C'est comme le Dalai Lama, ça naît sous les arbres, il suffit de chercher. Et comme on voit Léos Carax, par exemple, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà vu des films de Léos. Léos, pareil, c'est quelqu'un qui est à la fois inexplicable et indispensable de nos jours déjà. Et donc, l'art a ça de particulier, que c'est un instinct de l'espèce humaine. Et comme le cinéma est un art, bon, ça on en est tous convaincus, enfin, je pense que ça va avec l'espèce humaine, le fait de
que des cinéastes se nommeront dans les générations futures. C'est un instinct de l'espèce. Je ne pense pas qu'il n'y a pas... Je pense que même si Godard fait de l'art avec la mort du cinéma, ce qui est, c'est juste, mais dialectiquement, on pourrait dire en même temps, le cinéma ne peut pas mourir, parce que c'est un art. La peinture et la musique ne peut pas mourir, on en est tous convaincus. La musique, on ne peut pas penser qu'un jour, il n'y aura plus de musique. Et on ne peut pas penser non plus qu'un jour, il n'y aura pas de cinéma. La musique est différente, mais c'est que l'art en soi appartient à, comme on disait, au temps et à dans l'espèce humaine, et ça accompagne l'espèce humaine. D'ailleurs, c'est étrange, c'est, cette histoire de Daesh qui prétend pouvoir vivre contre l'art et sans l'art. C'est étrange. Une société qui se lèverait et qui dirait nous, on est contre l'art. Comme si c'était un mensonge, c'est quelque chose qui sort de l'entendement et de l'intelligence humaine. Totalement, parce que même les nazis n'attaquaient pas l'art de façon frontale. Ils voulaient que l'art continue d'une certaine façon. Les nazis, on ne peut pas prendre cet exemple. Non, mais Daesh, c'est pire que les nazis, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est aussi absurde que les nazis. Moi, je viens d'un milieu un peu différent. C'est du cinéma expérimental, c'est-à-dire Shiva Myungwa, l'expériment comme un essai, un film poème, un film où le fond et la forme sont aussi importants l'un que l'autre. Les cinéastes qui, même sans acteur et sans scénario, filment et s'expriment en images. Depuis le début du cinéma, même le cinéma narratif est venu après les premières expériences, les vraies expériences d'un cinéma que j'appellerais un cinéma pur, un cinéma essentiel. Et moi, j'ai découvert le cinéma de Philippe grâce à d'autres cinéastes, notamment Jackie Reynal, qui était là samedi, qui faisait partie du groupe de cinéastes à un moment donné, et qui voulait éditer chez moi parce que je gère un label d'édition DVD, vidéo, home vidéo, les films de cette époque. Donc j'ai découvert un certain nombre de films, dont les films de Philippe, qui viennent de cette époque où le cinéma voulait, c'était comme en France, on disait le tiers secteur du cinéma, comme un tiers monde, un autre mode de fonctionnement. Pour vivre et pour créer, et aussi dans la réception, dans la distribution, c'était même contre le système ou en dehors du système pour des raisons de qu'il n'y avait pas de choix, et en même temps ils défendaient le choix. Et cette approche au cinéma pour moi est beaucoup plus fort que de raconter une histoire ou de partager un moment entertainment ou distraction. C'est un mode de vie en s'exprimant par notre manière que langage. Ça vient vraiment du cœur de pourquoi on est là et comment on vit ensemble et comment on communique ensemble. Donc les formes de ce cinéma, et je parle plus des films de l'époque des années 60-70 où les films s'expriment des choses. Je pense à une scène de cicatrice intérieure, par exemple, où il y a un personnage assis et un personnage debout, et le personnage debout commence à marcher, la caméra suit ce personnage, l'autre disparaît, le personnage marche, il marche, il marche, il marche pour longtemps, et tout d'un coup on retrouve le personnage assis, et on comprend que la caméra a fait un grand cercle. Et le cinéma, ça va en cercle, la forme du cercle est... Enfin, il y a beaucoup d'idées et on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais pour moi, cette approche au cinéma va beaucoup plus loin que beaucoup d'approches au cinéma, et je consacrerai ma vie à ce genre de cinéma-là. On appelle ça en France aussi le jeune cinéma. Il y a un collectif qui s'appelle le collectif Jeune Cinéma. L'idée de jeune cinéma, c'est un cinéma qui se renouvelle à chaque instant et à chaque film. Et le fait que chaque film soit une nouvelle aventure avec des nouveaux approches,
comme Gérard disait samedi, que chaque film de Garrel était une exception. C'était le monde change, le cinéma change. Pour moi, vivre avec le cinéma de cette façon, c'est vivre tout court. Et c'est pour ça que je passe ma vie à m'occupant, en faisant mes films. On disait jeune cinéma, Philippe a commencé très très jeune. Moi, à 6 ans, je faisais du Super 8. Et c'est notre vie, le cinéma. Donc on partage ça. Et c'est ça qui nous rapproche. Et on se comprend. Et avec vous, spectateurs, avec les spectateurs partout dans le monde, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a ceux qui se comprennent. Et c'est ça qui est beau. 감사합니다. 많은 얘기, 좋은 얘기, 고맙고요. 이 다리에 꽤 긴 시간 이렇게 주의 깊게 들어주시고 또 질문해 주신 관객 여러분들도 감사드리고요. 저는 개인적으로는 어떤 영화든 이분의 영화는 좋다라고 느낄 때에는 어떤 장면을 갑자기 갖다 놔도 바로 집중될 수 있는 영화를 만든 감독들의 영화는 엄청난 말로 설명할 수 없는 힘을 가진 영화라고 생각이 드는데 바로 필립 가레 감독님의 영화가 그런 것 같아요. 그러니까 처음부터 끝까지 처음에는 보죠. 그리고 어느 날 생각나서 그냥 아무 장면에다가 갔다가 만약에 비디오로 보든 혹은 갑자기 전시장에서도 마찬가지인데 갑자기 들어가서 눈앞에 딱 봐도 바로 이렇게 그 순간으로 들어가게 하는 그런 힘을 가지고 있는데 그거는 미스터리인 것 같습니다. 말씀하신 것처럼 감독님의 어떤 무의식과 꿈이 결합돼서 만들어낸 하나의 그런 세계인 것 같아요. 그리고 그 세계의 힘이 또 저희 또 미술관에서 이런 전시를 또 하게 만들어준 것 같고 또 해고전을 통해서 더 많은 영화는 소개되지 못했지만 16편밖에는 안 되지만 관심을 가져주신 관객 여러분들 앞으로 또 2월 28일까지 시간이 또 상영이 많이 남았으니까 오셔서 필립 가레 감독님의 어떤 세계를 더 깊게 이렇게 접근하실 수 있는 그런 기회를 가지게 되시길 바랍니다. 너무 감사드리고요. 특히 필립 가레 감독님 첫 내한인데 이렇게 와주셔서 너무 감사드립니다. 그리고 귀한 말씀 해주셔서 또 너무 감사드리고요. 네.